La guerre fait rage. Seule une poignée de héros, nommée la Brigade du Faucon Cendré, ont assez de courage afin de ralentir l'invasion des morts. Cette brigade ramène espoir à l'humanité dans la campagne de rédemption Reapers. Et bonjour et bienvenue sur le Refuge Joueur. Aujourd'hui, nous allons continuer notre campagne sur Redemption Reapers. La dernière fois, on était parti du port de la mer. On a réussi à aller de nouveau dans une autre ville. On a traversé tout le long. Il fait froid et tout ça. En off, j'ai préparé mon combat. J'ai juste fait en sorte de monter de niveau Lutch. On est accueilli par un ex-militaire qui est pas dégueulasse au niveau visuel. The Morts have Fort Lorica surrounded, leaving them little choice but to hole up and prepare for a siege. However, Luden is said to be readying its remaining forces for a rescue mission to extract its injured soldiers and any refugees. Unfortunately, Levante expects the fort to fall before Luden is ready to conduct their mission of mercy. Near Fort Lorica stands Tukum Cathedral, where scouts claim the Morts are mustering forces in preparation for an attack. As such, Sarah and Glenn propose dispatching the Hawks to capture the cathedral before the Mort can strike. To safeguard both the people of Fort Lorica and the cherished bonds they share, the Hawks set off for Tukum Cathedral. Voilà, donc c'était le vieux, c'était le Vente. Alors, vous me voyez pas, je suis toujours malade. Alors. Pardon. Ah non, c'est porte-keeping, les... Ah, les fouets. Qui ramènent en plus. What do you know? The old cat was right. This area is crawling with those wretched morts. Fort Lorica could not hold long against such numbers. Which is why we're going to secure the cathedral before the Mort have a chance to strike. We cannot let Fort Lorica suffer the same fate as the Nest. Indeed. The Mort haven't noticed us yet, so we should be able to pick them off one at a time. Let's move. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est un que je connais ou pas? Ombre sur patte. Ah! Si, si. Se téléporte. Et en plus, c'est un archi à rotateur. Un peu. Il y a un, deux, trois trucs à rotateur ici. Un là. Un ici. Je sais pas. Je sais pas comment faire. Là, j'en ai aucune idée. Ça.
Andar Papyri. On sait qu'on est dans sa, dans leur zone. I won't relent. Ça, c'est vraiment bête. Karen qui vient juste de monter de niveau. Petit tourbillon. Still going. Let's make this one count. Bon. Très 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 compliqué. Pas de retour. Bah, bien sûr. C'est le but que je veux savoir. Pas héros, Karen. J'ai besoin de toi. Toi aussi. J'ai envie de me mettre en défense. C'est affreux. Non, pas Glenn. Alors, si je me souviens bien, il pourra faire toujours la contre-attaque. I must finish this. Got it in my sight.
Cauchemar, ouais. Je te confirme ça. I won't relent. Taking the shot. Bon, là, je pense pas que j'arriverai à le tuer. Ah si, bah critique. Ah. Protège que de 1, mais ça protège de 1. Un PV en moins. Je vais pas perdre. Chasseur, je vais prendre. Mince, c'est lesquels? C'est lesquels? C'est un enfer! Les yeux. Oui. I am. Reste là, t'as mal. Et les deux mages sont là.
I am. Fait. Pas s'en sortir. Ah oui. Le dard papillon qui... C'est du pia. Et là, c'est oui. Sachant que... Je vais faire une frappe légère, mais ça marchera pas. Et tout ça qui vont m'attaquer. Nous savons, on est dans leur zone à eux. Utilise ta potion. Time is gone.
You're finished. I'm not afraid of you. Got it in my sight! Ready for more? I won't relent. Keep it going. Taking the shot. Et on rééquipe. Vas-y. T'as assez d'action, mets-toi en défense parce que l'autre va nous attaquer. Ah, Pimpol sur... t'es là? Il se fout de moi. Elle voit, tu te fous de moi. Lynn. Anna, j'ai besoin de mon trésor. J'ai peur. Ah, j'aurais voulu être. Incoming. J'ai tenté. Le martyr qui était bien placé. Mais si j'avance de trop, je vais avoir cela. C'est pas possible. Elle va y aller. Merci. Ah, mais si je me mets là, il peut plus retourner. Il a plus de potions. This should do it. Ah bah, je fais. Là.
peux échanger avec lui une potion? Non? Un truc bien. Oui. Je sais pas c'est quoi. Hein? Oh bah non, les trucs, les potions, c'est pas possible. Ils se trouvent sur le berge de son. Il y en a deux. C'est Hutch. C'est Hutch qui... Qui dit... C'est bon, oui. Le bisou magique, c'est l'elfe de Donjon Nabug. Hop là pour aider au cas où. Et quand même des doutes là. Depuis le début de la map, j'ai éradiqué tout ce qui était là. Bien. Surtout eux deux là, et surtout lui qui me fait peur. Je sais très bien que je peux pas montrer les deux. Réfléchir. Quoi déjà son action là? Meet your demise. J'ai fait une bêtise. Ils vont pas bouger. J'aurais dû reculer. Give me all you've got.
qui passe ça. Enough. Ça, j'ai oublié de regarder. Une double tourbillon. Je fais 55% de dégâts. Ça me permettra d'attaquer 4 fois. J'ai un pourcentage quand même. Ah, c'est bête. Mais c'est ça de moi à faire. Il bouge pas. Ça, j'ai mon bonus d'attaque. I must finish this. Got it in my sight. Don't get slow. Keep it tight.
pas d'appréhension. Vous rigolez ? Pas d'appréhension. Oh, dessous ! Il allait mourir. On a fait la moitié de la map. Vraiment que je fasse gaffe à ces images. Elle peut pas s'enfuir. J'ai fait une bêtise. Pas grave. Réel. Make this one count. Find somewhere safe. Take off.
nice one. Ah! Hop là. Mon arc il est mort. Elle est tirée 30 fois avec. Parce que c'est pour attirer lui, hein. Actions. Jamais eu aussi besoin de martyr, c'est Je
pas eu besoin. En tout cas, c'est possible. Allez, le petit, il frappe les rats. Putain, il n'y a pas des armes de faire une petite arme. Voilà. On va prendre la naine. Ah. Et elle va courir sur le... Est-ce que le bisolon... Mais oui. Taking the shot. Coucou, je suis là. Tu peux pas m'attraper. C'est vrai. T'avais oublié ça. Pardon, quoi. Il me restera un coffre, au pire, je ferai des escarmouches. Not a single one left standing. Someone's having fun. Killing Mort always makes for a good time. Can't say I care much for killing, but it's clearly right in your wheelhouse. How about you, Sarah? It's hard to explain. Each time I bring down a strong foe or protect someone from danger, I feel a sense of accomplishment. So while I wouldn't say I enjoy it, I suppose it does brighten my day a bit. And yet, the moment that happens, I feel so guilty. After what I've done, I don't have the right to be happy. It's the same for me. Whenever I'm fighting, or even if I just find myself enjoying something, I remember Troden. It's as if time stopped for us that day. Like we're all just living in the past. So what should we have done, huh? Luff? Say we magically went back in time. What could we change? Maybe if we were better prepared? If we were stronger?
Do you really think we could have settled things without killing innocent elders, women, and children? Come on. I don't... We're murderers, Karin. Our hands were stained long before Troden, and long before we joined the Ashen Hawks. I'm right about this, and we all know it. Don't try to pretend like you forgot. We made our choices a long time ago. There's no redemption for people like us. I know that, all right? Then stop talking nonsense, and let's get moving. He's not as tough as he pretends to be. What do you mean? For all his bluster, I think he was actually trying to cheer us up back there. You seem to have Luff all figured out. I thought I was starting to understand everyone, but sometimes I wonder if I'm just fooling myself. Come on, you know that's not true. Isn't it? We've been together for a while now, yet I still know next to nothing about your life before the Hawks. It's not exactly a pleasant story. You told Bluff, didn't you? Yeah, but we've been fighting together for ages and it just sort of slipped. Wait, is this all because you feel left out? You could be surprisingly childish at times, you know that? Anyway, Luff's right. Time to get moving. Bah, allons vite ici pour récolter encore ces trucs. On a qu'à prêtre. Je vous laisse lire comme d'habitude. Faites des pauses si je vais trop rapidement. Vous pouvez lire tranquillou à la maison comme d'habitude. Là, je passe. Les armes, nous avons une nouvelle arme. Ça doit être une arme pour comment ça s'appelle, Sarah. Elle est belle. On va voir si elle est si porte toujours pour rien un personnage. J'ai pas très envie de tomber sur qu'est-ce que ça fait? Augmente de précision de 10 et 50% de dommages. Pardon, 2 pour. Ouais, on peut faire ça. Voilà. À 13 puissance. Nous avons vu à l'instant 18 de puissance, mais ça enlève quand même 65%. Ça. Ah!
regarde moi ça, j'ai que 50%. J'ai un nouveau joujou. Ben voilà, petit contact. Donc là on va faire pareil, 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 et toujours pareil. Entraînement, j'ai que 10 XP, que 10. Ah, la pied à la traîne. Ah. Les compétences, je suis à 3, mais je pense que j'ai mis. Oui, j'ai paralysé, mais bon. J'utilise peu paralysé, j'utilise surtout dard papillon. Et creux jumeaux. Je pourrais utiliser aussi ombre vivante, ce serait pas mal. Ça pourrait être bien. Là, ici, j'ai... J'ai hésité. D'accord. Là, je pensais que martyr, c'était pas si fort que ça. Mais... Surveillant, je l'utilise beaucoup. Voilà, je pense que ça ira. On a réparé. On va remonter nos stats. On va voir le marchand pour voir qu'est-ce qu'on a. Oh ! Ça, c'est nul. Si je me souviens bien, plus puissant. Je vais voir vite fait pour lunch. Qu'est-ce qu'il a ? Vite fait, lunch. Ah bah oui. Pour une fois, le marchand a quelque chose. Ouais, j'ai envie de dire, il est au-dessus de 100%. Je fiche un peu hein, de la précision. Mais après, voilà, avec ça, ça me fait un PV de moins, un PV de plus à enlever. Mais réellement, on a les points de vie qu'on en a besoin de retirer. Maintenant, on a vraiment besoin de... Pourquoi il y a l'accent qui est passé, je sais pas. Voilà, voilà. Donc c'était l'épisode 24 de notre campagne Redemption Reapers. La prochaine fois, je pense qu'on va faire un peu d'escarmouche pour remonter nos ISP, parce que là, on est un peu ric-rac, si je fais. J'ai pas fait l'entrepôt. Mais attendez, il recommandait 33. Hutch et 27.
28 et 29 pour les autres. Ah, c'est bien faire un peu de level up. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Allez, zou!